Amen. Vous allez bien? Vous êtes venu à l'église avec une Bible? Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le pasteur Didier et le pasteur Pierre m'ont informé que si vous n'avez pas de Bible, ils vont vous en offrir une pour Noël. Donc vous avez juste à vous approcher d'eux après le culte. Et pour tous les autres, tournez avec moi, si vous le voulez bien, dans l'épître de Jacques. Jacques, le quatrième chapitre. Et le titre de mon message est celui-ci. Pourquoi Dieu nous aime-t-il? C'est un mystère que nous ne pouvons pas vraiment répondre aujourd'hui. On va tenter, mais même l'apôtre Paul, même la Bible démontre que l'amour de Dieu est mystérieux, impossible à saisir. Mais on va essayer de s'approcher un petit peu d'une compréhension aujourd'hui. Dans quelques jours, des gens dans le monde entier vont ouvrir une bouteille de vin effervescent qui est connue partout dans le monde, qui s'appelle le champagne. Et le champagne, si vous en ouvrez, faites attention, hein, avec modération. Mais le champagne est un vin unique et particulier parce que on doit tourner la bouteille tous les jours d'un quart de tour. Pourquoi? Parce que dans le fond de la bouteille, il y a des restes de levure, ce qu'on appelle le lit, hein, du vin. Et le lit du vin donne la valeur au vin, il donne le goût du vin. Alors on tourne le vin un petit peu à tous les jours, un quart de tour, et ce qui fait le goût, la valeur du champagne, c'est quand on tourne cette bouteille. Et voyez-vous, c'est un peu la même chose avec le chrétien. Ce qui donne la valeur du vin effervescent, c'est que le vin soit au contact de son lit, de sa levure. Et ce qui donne la valeur au chrétien, le vrai chrétien effervescent, pas le chrétien effervescent qui est léger dans sa foi, mais le vrai chrétien effervescent, c'est celui qui tourne dans la parole de Dieu. Amen. Celui qui, la parole de Dieu tourne dans sa vie. Celui qui accorde de la valeur à la parole de Dieu. Et alors que la parole de Dieu tourne dans ton cœur et qu'elle tourne dans tous les aspects de ta vie prend de la valeur. Amen. Et ta joie a un vrai fondement. Amen. Parce qu'il y a des petites bouteilles à 5 euros, hein? Mais il y a des bouteilles qui valent, qui sont hors de prix. Et il y a des chrétiens, leur joie ne vaut pas 5 euros. Mais il y a des chrétiens, leur joie est hors de prix, est sans prix. Parce que ces enfants de Dieu ont une joie qui n'est pas légère. C'est une joie qui est fondée dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vais adresser ce sujet aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de l'amour de Dieu dans les églises évangéliques. C'est la base de l'Évangile, c'est la base de la Bible. On dit que Dieu est amour. Mais pourquoi Dieu est-il amour? Et on va tenter de répondre à cette question aujourd'hui, parce que si vous aimez la parole de Dieu, vous n'avez pas lu seulement les versets ou les textes qui sont toujours très agréables à lire, mais vous êtes parfois arrivé sur des textes qui sont un petit peu plus compliqués à comprendre. Amen. Et même parfois des textes qui peuvent être contradictoires, où ça dit « Dieu aima Jacob et il haït Ésaü ». Et mais pourtant Dieu est amour. Dieu a quand même détruit Jérusalem. Et dans la parole de Dieu, quand on la traverse et qu'on prend le temps de la traverser avec le Saint-Esprit, on découvre un fondement à l'amour de Dieu. Amen. Alors j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui, on va tenter de répondre à quelques questions. Premièrement, un Dieu infiniment grand peut-il nous considérer? Un Dieu qui est infiniment grand peut-il nous considérer? Le psaume 8 et le psaume 144 disent « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? » Je vais retirer la veste, sinon je vais perdre des kilos. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? » N'est-ce pas impressionnant? Dieu est si grand, comment un Dieu si grand, qui dépasse l'infini, il n'y a pas de mots, comment peut-il te considérer toi et moi? Prenez un instant ce matin.
Laissez le lit tourner dans la bouteille un instant ce matin. N'allez pas trop vite. La Bible dit dans Ésaïe 46, « Toute chair est comme de l'herbe. » Et nous, l'herbe peut durer toute l'année, même l'hiver. Mais en Israël, l'herbe pouvait pousser le matin et le soir mourir et dessécher. Et c'est dans ce contexte que Ésaïe a parlé. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement, Ésaïe 40. On aime tous ce verset, mais prenez un instant ce matin pour y réfléchir. Toute chair est comme de l'herbe devant Dieu. Dieu est tellement grand, nos vies, Dieu est tellement infini, Dieu est tellement éternel. Notre vie, ta vie, ma vie, elle passe comme ça. N'est-ce pas incroyable? Un autre texte. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. N'est-ce pas contradictoire? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais on ne vaut rien dans la balance. C'est contradictoire quand même. Ça fait réfléchir. Laissez tourner le lit dans la bouteille ce matin un instant. Et la valeur de l'amour de Dieu va venir à votre esprit. Au regard, chaque texte doit être pris dans son contexte. Le contexte ici, c'est de se mesurer à Dieu. Quand l'homme veut se mesurer à Dieu, Dieu répond, « Toutes les nations sont comme une goutte d'eau. Tous les hommes sont comme de la poussière sur une balance. » On ne fait pas le poids avec Dieu. J'espère que vous avez compris cette première leçon dans votre vie. Hein? C'est une des premières leçons fondamentales. Un Dieu infiniment grand a-t-il besoin de nous? Et vous savez, quand on prêche, on étudie la Bible, et tous ceux qui prêchent savent très bien de quoi je parle, on mûrit la Bible, on la médite, on la retravaille sur le vélo, dans la voiture, dans le lit, le matin, le soir, et on cherche à faire comprendre la parole de Dieu. On dit qu'un bon communicateur, Aristote disait qu'un bon communicateur, c'est quelqu'un qui peut prendre des choses compliquées et les rendre simples. Je ne suis pas encore là, mais je vais essayer ce matin. C'est comme si, aujourd'hui, peut-être l'homme le plus puissant au monde, c'est le président de la Chine. Il faut dire les vraies choses. Hein? Ce n'est pas le président américain, ce n'est pas le président de la France. L'homme le plus puissant au monde, c'est le président de la Chine. C'est comme si demain, le président chinois allait se mettre au milieu d'un boulevard, il se prend un semi-remorque, il meurt. Et on se demande, mais pourquoi il est mort? Et on apprend plus tard qu'il a donné sa vie pour sauver une fourmi qui traversait la rue. On dit, mais c'est une folie. L'homme le plus puissant au monde a donné sa vie pour sauver une fourmi qui traversait la rue. Cette image n'est même pas encore assez forte pour que nous puissions comprendre que Jésus a donné sa vie pour nous. La fourmi, c'est nous. Dieu est infiniment grand. Infiniment grand. Comment peut-il s'intéresser à moi et à toi? Comment peut-il nous aimer s'il est si grand et nous sommes si petits? Quelque chose de, un être si grand, si supérieur, impossible à décrire. Personne ne connaît Dieu. On n'a même pas encore touché une poussière de la connaissance de Dieu. Un homme de Dieu un jour a dit, on passera l'éternité à découvrir Dieu. Tellement Dieu est grand. Comment un Dieu si grand peut-il te considérer au point de donner son Fils pour toi et pour moi? N'est-ce pas quelque chose quand même d'assez exceptionnel? Maintenant, un Dieu infiniment puissant a-t-il besoin de nous? Est-ce que Dieu a besoin de toi? S'il est tout puissant, mes chers amis, vous qui voulez servir l'Éternel, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, mais ça va vraiment vous bousculer. Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous pour le servir. C'est une grâce de servir Dieu. C'est un privilège. Et le vrai serviteur de Dieu, c'est juste que souvent, il est témoin quand Dieu agit. Mais, mes amis, un Dieu infiniment puissant a-t-il besoin de nous? Il agit selon son bon plaisir. La Bible dit que Dieu agit selon son bon plaisir. Oui, mais il a donné la loi.
Il a donné les commandements. J'aimerais même vous dire, Dieu est au-dessus des commandements. Parce que si vous avez déjà étudié la Bible, parfois Dieu applique la loi, parfois il ne l'applique pas. Parfois il a fait miséricorde, et la miséricorde c'est de relâcher quelqu'un, de ne pas accomplir, de ne pas appliquer la loi. Parfois Dieu a frappé dans sa justice, parfois Dieu a laissé aller. Dieu est au-dessus de sa loi, parce que Dieu est parfait à un niveau que nous ne pouvons même pas expliquer ce matin. Et ce Dieu qui est si puissant, la Bible enseigne qu'il fait tout selon son bon plaisir. La différence, c'est qu'il est parfait. Nous, on est imparfaits. Si on faisait tout selon notre bon plaisir, on aurait probablement déjà dilapidé beaucoup de choses. Hein? Donc, on agit selon la conscience, on essaie d'agir selon notre connaissance du bien et du mal en tant qu'être humain. Mais Dieu n'est pas comme nous. Dieu est tellement infiniment grand et infiniment puissant que la Bible dit qu'il fait tout selon son bon plaisir. Alors, si Dieu fait tout selon son bon plaisir, rien ne l'oblige. Allô? Dieu ne nous doit rien. Le salut n'est pas un dû. Dieu ne nous devait pas de nous sauver. Rien n'obligeait Dieu de sauver l'humanité par Jésus-Christ. Attention, le salut est vraiment une grâce de Dieu. J'aimerais vous dire ceci, Dieu est tellement puissant, il est écrit dans Apocalypse chapitre 20, qu'un jour, les cieux et la terre fuiront devant lui. Il n'y aura plus de place pour eux. T'imagines? On ne peut pas... Einstein a bien expliqué, la matière, c'est la matière. On ne peut pas détruire la matière. Hein? Mais Dieu est tellement tout-puissant qu'un jour, les cieux et la terre fuiront devant lui. Dieu peut refaire tout l'univers comme toi, tu refais un texto. Tu écris un texto, tu n'aimes pas ton texto, tu le refais. À n'importe quel moment, Dieu pourrait tout recommencer. À n'importe quel moment, il pourrait dire, j'en ai assez de Christian Robichaud, c'est fini. Comprenez-vous ce que je veux dire? Sans autre... Quelqu'un a dit « Amen ». Vous en avez assez de moi. Dieu pourrait tout refaire. J'aimerais même dire ceci. Pourquoi est-ce que Dieu nous veut au ciel avec lui? Si l'humanité est comme poussière dans la balance, quel apport pouvons-nous ajouter au ciel? C'est dur de dire « Amen » à des versets comme ça. Hein? Mais quand on y pense, comment, vraiment, Dieu nous a sauvés, a donné son Fils pour nous. Dieu veut sauver ta vie aujourd'hui si tu es loin de Dieu. Il ne veut pas te lâcher. Il veut te sauver. Et un jour, c'est un des grands sujets tabous, quand je suis arrivé en France, avant de déménager en France, j'ai lu un bouquin sur les Français, sur la culture française. Et on m'a dit qu'il y avait des sujets tabous. Et l'un des grands sujets tabous pour les Français, c'est la mort. Si vous avez déjà assisté à des funérailles où les gens ne sont pas chrétiens, c'est impressionnant comment on évite certains mots. On ne veut pas parler de la mort. Mais on va tous mourir un jour. Soit qu'ils viennent nous chercher, soit qu'on va mourir, mais on va tous aller de l'autre côté. Quand nous irons au ciel, j'aimerais vous dire vraiment ceci, c'est vraiment ça va vous décevoir, mais je suis obligé de vous le dire. Quel apport on va ajouter au ciel? Quel ange va dire, « Ah, franchement, Didier, une chance que tu es arrivé, parce que sans toi, vraiment, il manquait quelque chose au ciel. » Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu est si grand, si riche, si infini, si puissant. Qu'est-ce qu'on peut amener au ciel, nous? Jean a dit ceci, Jean-Baptiste, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » N'est-ce pas? Si tu es joli, c'est une grâce de Dieu. Si tu es intelligent, c'est une grâce de Dieu. Si tu es joli et intelligent, c'est vraiment une grâce de Dieu. C'est rare qu'on a les deux. Je rigole. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est Paul qui dit ça. On a tous des dons.
Moi, je suis peut-être de ceux qui en ont le moins, mais on a tous des dons. Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mes amis, tout vient de Dieu. À toi, Éternel, soit la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité, la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne, l'autorité suprême. C'est de toi que vient la richesse, l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Tout vient de Dieu. Alors, est-ce que Dieu a besoin de nous? Pas dans le sens que nous le comprenons. Maintenant, j'ai piqué un mot au pasteur Didier. Un Dieu précellent, si je l'ai bien dit, c'est comme ça? Ouais. Un Dieu précellent, c'est plus qu'excellent. Peut-il nous chérir? Avant d'expliquer, on va regarder ce que la Bible dit. La tête entière est malade. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, je suis malade. Même si vous ne l'êtes pas, dites-lui, je suis malade. Vous savez pourquoi? Parce que, bibliquement, le péché habite en nous. Et le péché, il est là. Il est là, 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 il est partout. C'est ce que Dieu dit, regardez. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Tournez-vous à la personne et dites-lui, toi aussi, tu n'es pas en bon état. Ce ne sont que blessures, n'est-ce pas? Combien d'entre nous, lorsque nous sommes venus à Christ, nous n'étions que blessures pour certains, hein? Contusions, plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Maintenant, qui voudrait être le meilleur ami de cette personne? La plupart d'entre nous, on cherche à enrichir nos vies en développant des amitiés avec des gens qui sont meilleurs que nous. C'est comme ça que ça marche dans le monde. On cherche à connaître des gens qui sont bien placés. C'est vrai, hein? Des gens qui sont en autorité, des gens qui ont de l'argent, des gens qui paraissent bien, des gens connus. On fait des selfies, j'étais avec elle, je le connais. On veut des bonnes relations. Pourquoi Dieu voudrait une relation avec nous? Si nous sommes dans cet état, comment est-ce qu'un Dieu si précellent peut-il aimer quelqu'un si pécheur? Comment est-ce que Dieu peut nous aimer? Laissez tourner le vin dans le lit un instant ce matin. Je ne dis pas de rester dans le lit demain matin et tourner dans le lit. Laissez votre vie prendre de la valeur et la mienne ensemble ce matin, en découvrant pourquoi Dieu nous aime. Amen. Quatrièmement, un Dieu offensé peut-il pardonner? Ah, moi, je suis une bonne personne. Je paye mes taxes. J'ai une bonne moralité. Je suis globalement une bonne personne, je suis une mère de famille, je travaille, je contribue à la société, je ne dis pas de gros mots, je ne suis pas dépendant de n'importe quelle substance, peut-être un peu de café, je suis quand même une bonne personne. Mais la Bible dit que ce n'est pas nous qui déterminons ce qui est bien, ce qui est mal, c'est la parole de Dieu. Et les standards de la parole de Dieu déterminent qu'il y a en toi et en moi une nature de pécheur qui dort. Et c'est elle qui offense Dieu. Si tu as une tumeur dormante, tu as quand même une tumeur. On a tous une tumeur. Vous savez le mot tumeur, ce que ça veut dire? Ça veut dire tumeur. C'est très grave, une tumeur. Ça tue des gens. Le péché, c'est une tumeur spirituelle. Et le salaire du péché, c'est tumeur. C'est la mort. Et cette fabrique de mal qui dort en nous, quand même que tu sois fringué, tiré à quatre épingles, ou que tu dormes sur la rue, pour Dieu, on est tous pécheurs. Et cela offense Dieu. Car tous ont péché.
tous ont offensé Dieu. C'est impressionnant, hein? Mais la Bible dit même qu'on a plus qu'offensé Dieu. La Bible enseigne que nous sommes ennemis de Dieu. Tu as déjà vu ton ennemi vouloir t'embrasser? C'est pas possible, c'est réaliste. Mais lorsque nous étions ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Comment Dieu, pourquoi Dieu nous aime-t-il si nous l'offensons, nous l'avons offensé, si nous étions ennemis de Dieu? Comment a-t-il pu venir vers nous pour nous adopter dans sa famille? C'est quand même assez exceptionnel. Pourquoi Dieu nous aime-t-il? On dit qu'en Asie, l'un des animaux les plus patients, il y a deux sortes d'éléphants, je n'y connais rien. C'est un missionnaire, un ami qui m'a expliqué cette histoire. L'un des animaux les plus patients d'Asie, c'est un des éléphants, celui qui a les petites oreilles. Il y a le gros, lui, il paraît qu'il est très méchant, et le petit, il paraît qu'il est gentil. On dit que l'éléphant aux petites oreilles est l'un des animaux d'Asie les plus patients, les plus doux. Il est apprivoisé, on le fait travailler, on le fait faire toutes sortes de choses. Mais sa patience a des limites. Et un jour, sur un marché, un missionnaire que je connais était là, il était au marché, il y avait un éléphant qui attendait son maître, et un petit gamin s'est approché de l'éléphant, sachant que l'éléphant est très patient, très doux. Il y avait un poil sur la trompe de l'éléphant. Et le petit gamin, pour énerver l'éléphant, est arrivé, il a tiré le poil. Tic! L'éléphant, il n'a rien fait. Il y a des gens comme ça, hein? Ils offensent Dieu. Mais Dieu ne fait rien. Un petit gamin, il voit un autre poil. Tic! Et la trompe de l'éléphant bouge un petit coup comme ça, tu vois. Et le petit gamin, pff, tic! Et l'éléphant commence à bouger sa trompe. Tu vois? Mais il est tellement patient. Il ne va pas me rien faire. C'est pas possible. Et le petit gamin. Et là, le missionnaire, mon ami, il était là, il regardait, il disait, qu'est-ce qui va arriver? Tu vois? Le gamin s'approche. Quatrième fois. Tic! Et l'éléphant commence à... Là, il y a toute la tête qui commence à bouger, le corps et tout. Et le petit gamin... Pff, tic! L'éléphant l'attrape. Il le lève au bout de sa trompe dans le ciel. Il le laisse tomber et comme il tombe, il le rattrape. Ouh, tout doucement. Il lui fait pas mal. C'est une histoire vraie. Hein? Si vous ne me croyez pas, je vous donne l'adresse. Et l'éléphant pose le petit gamin et le petit gamin, il est comme ça. Piou, il est parti, tu vois. Même cet éléphant a une limite à sa patience. Et Dieu est tellement patient. Encore plus patient. Et nous, combien de fois dans nos vies, à Dieu, on fait tic, on l'énerve, on lui fait des reproches. Pourquoi? Regardez comment la société, regardez depuis combien d'années Dieu est patient envers cette nation. Dieu est patient, n'est-ce pas? Dieu est bon. Comment peut-il, un Dieu qui a été offensé, comment peut-il nous aimer? Comment peut-il pardonner? Eh bien, je termine avec ceci aujourd'hui, si je ne serai pas long. Jacques dit pourquoi. C'est tout ce qu'on peut comprendre de l'amour de Dieu. Certains diront légèrement, « Ah, Dieu aime parce que Dieu est amour. Il ne peut pas faire autre chose qu'aimer. Dieu n'est pas le Père Noël. Hein? Dieu est aussi un juste juge. Et il dit qu'il ne laisse pas passer le péché. » Comment est-ce que Dieu peut nous aimer si nous avons toutes ces antipathies dans notre nature face à sa nature? Eh bien, Jacques dit ceci, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Maintenant, juste avant de tu peux en retirer le texte, s'il te plaît, de l'écran, parce que personne ne va m'écouter, ils vont tous lire ce qui est écrit. Juste commenter le verset maintenant. Il y a eu différentes traductions de ce verset.
plusieurs, tu lis 3-4 versions en français différentes et même en anglais ou en espagnol, tu vas trouver différentes traductions. Mais quand on va voir mot pour mot dans le texte, on trouve pourquoi Dieu nous aime. Tout d'abord, le verset dit « C'est avec jalousie que Dieu chérit. » Le mot « jalousie », ici dans le contexte, et dans la Bible, et dans le grec, c'est un vif désir de reprendre quelque chose qu'on a perdu. Vous comprenez? La jalousie, pour nous les humains, la jalousie c'est quelque chose de négatif. Mais dans la sainteté de Dieu, elle ne peut pas être négative. Dieu peut être jaloux sans péché, sans commettre le mal. La jalousie, dans son pur sens, objectif et neutre, signifie le désir d'avoir quelque chose qui n'est pas à nous. Ou d'avoir quelqu'un qui n'est plus à nous. Une saine jalousie, par exemple, dans un couple. Un mari qui perd sa femme, qui veut retrouver sa femme, il veut reconquérir le cœur de sa femme, ce mari peut avoir une saine jalousie. Et la Bible dit que Dieu est jaloux. Il veut nous avoir. Pourquoi est-ce qu'il nous veut? Parce qu'il a mis en nous le souffle de la vie. Maintenant, ici, le mot en grec, c'est très simple, c'est le souffle, c'est la vie, c'est l'esprit. Mais si Jacques s'adresse à des chrétiens, alors Dieu ne peut pas être jaloux. Vous comprenez? Dieu ne peut pas être jaloux du souffle de l'esprit qui est en nous. Non, parce qu'au contraire, il est heureux que son Saint-Esprit soit en nous. Donc, le souffle ici n'est pas le souffle du Saint-Esprit, c'est un autre souffle. C'est le souffle dans Genèse, où Dieu créa l'homme à son image. Il insuffla la vie. La vie de l'homme, elle vient de Dieu. Dieu l'a soufflée, elle est sortie de lui, et Dieu l'a soufflée dans l'homme, et l'homme est devenu un être vivant. Quand l'homme a été séparé de Dieu par le péché, la présence de Dieu s'est retirée, mais l'homme a continué de vivre. Vous me suivez? C'est pas trop compliqué? Si vous me suivez, dites « ah ah ». Ça m'encourage. Donc, l'homme est un être vivant indépendamment de l'Esprit de Dieu. J'ai deux filles. Elles sont sorties de ma femme. Ma femme leur a donné la vie. Elle a accouché des enfants. Mais ma femme n'est pas dans ma fille. Ma fille vit indépendamment de ma femme. Ma fille pense indépendamment de sa mère et de son père. Et tout être humain a été créé et il peut vivre pour un temps. Pour un temps. Indépendamment et séparé et loin de Dieu. Mais Dieu regarde cet homme ou cette femme qui vit loin de lui, qui fait sa vie, qui fait n'importe quoi. Et même si tu ne crois pas en Dieu, peu importe. Dieu te regarde et Dieu dit, tu es à moi. On dit en anglais, you're mine. Ça ne se dit pas en français. We are his. Nous sommes siens. Ça se dit ça en français? Nous sommes les siens. Mais si on traduisait littéralement, nous sommes siens. Nous sommes à lui. Si tu vis, c'est parce que Dieu a mis en toi le souffle de vie. Et parce que tu es un être vivant, Dieu te regarde et Dieu dit, « Toi, tu es à moi. Tu m'appartiens. Tu ne crois pas que j'existe, mais tu es de moi. Tu es sorti de moi. J'ai mis le souffle de vie en toi. » Et c'est pour ça qu'on peut bien expliquer, si tu peux remettre le texte, on peut bien expliquer, en terminant aujourd'hui, parce que nous sommes, suivez-moi bien, le meilleur est pour la fin, parce que nous sommes issus de lui, Dieu nous affectionne insatiablement d'un vif et profond désir, une sainte jalousie de nous posséder entièrement. Dans tout l'univers, aucun sujet
ne peut dépasser celui-ci. Pourquoi Dieu nous aime-t-il? Parce que nous sommes les siens. Nous sommes à lui. Tu peux être agnostique, tu appartiens à Dieu. Tu peux être athée, tu appartiens à Dieu. Tu peux être méchant, tu appartiens à Dieu. Tu ne crois pas en Dieu, tu es quand même à Dieu. Tu es en colère contre Dieu, tu es quand même à Dieu. Tu ne veux rien savoir de Dieu, tu es quand même à Dieu. Et Dieu t'aime parce que tu es sorti de lui. Paul dit aux Éphésiens que Dieu est le père de toute famille. Pas que la famille des chrétiens. Attention, Dieu est le père, et le mot ici en grec, c'est l'engendreur, engendré. Dieu est l'engendreur de toutes les familles de la terre. Alors Dieu regarde tout le monde, il regarde toutes les religions, il regarde les petits, les grands, les pauvres, les gentils, les bons, les méchants, il regarde toutes les couleurs, toutes les cultures. Il te regarde et dit, tu es à moi, tu es à moi, c'est moi qui t'ai engendré. Ah mais pasteur, je pensais que la famille de Dieu, c'était les chrétiens. Oui, mais pour bien comprendre ce que l'on croit, nous sommes la famille de Dieu parce que nous sommes revenus à Dieu. Nous sommes le fils prodigue qui est revenu, mais tous ceux qui ne sont pas encore venus à Dieu, Dieu les regarde et dit, « Tu es à moi, tu m'appartiens. » Et c'est ça le fondement de l'amour de Dieu pour toi et moi, c'est que Dieu nous aime parce que nous sommes les siens. Tu es à lui. Peu importe ce que tu fais de ta vie, Dieu t'aime. Même si Dieu n'est pas d'accord, Dieu t'aime. Tu es à lui. Et au fond de ton être, toi aussi, il y a quelque chose de très fort dans l'homme, c'est que même de façon, et je termine avec ceci, même de façon inconsciente, tu ne le sais pas peut-être, mais tout ce que tu cherches, c'est Dieu. Parce que c'est comme un enfant qui est... C'est comme si ma fille se mettait en embrouille avec moi et qu'elle partait et qu'elle se disait, je vais refaire ma vie, j'ai oublié mon père. Et même qu'elle développait une philosophie qui s'appellerait, il y a l'athéisme, on va appeler ça le christianthéisme, où elle se disait, Christian n'existe plus, mon père n'existe plus. Tu peux inventer toutes les religions, tu peux inventer toutes les philosophies, toutes les croyances, l'humanisme, tout ce que tu veux, mais au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit qu'il y a un lien entre Dieu et toi. Parce que tu es à lui. C'est lui qui t'a créé. Il est le créateur. Et en dépit de tout ce que nous sommes, Dieu nous aime parce que nous sommes issus de lui. Est-ce qu'il y a des papas dans ce lieu ce matin? Levez la main, les papas. Levez la main fièrement, les papas. Vous savez de quoi je parle. Parce que il y a un lien entre le père et son enfant. Ma fille est à l'autre bout de la France, mais hier, j'ai envoyé un petit texto. J'ai envoie-moi des photos. Ah oui, pardon, papa. Elle est avec des amis, elle a oublié papa. Mais papa ne l'a pas oublié. Elle me manque. Hein? Tu manques à Dieu. Même lorsque tu ne penses pas à lui, lui pense à toi. Même lorsque tu perds ta vie, lui pense à toi. Même lorsque tu te fais mal, lui pense à toi. Non seulement il pense à toi, il est là, il est omniprésent, il est partout. Pourquoi Dieu nous aime-t-il? Il nous aime parce que nous sommes les siens. Nous lui appartenons, nous avons été créés par lui. Et tu ne retrouveras jamais la paix jusqu'au jour où tu viendras à Dieu. Maintenant, c'est super ce qu'il a dit, pasteur Christian, parce que ça peut être n'importe quel Dieu. Non. Dieu a décidé de traiter avec les hommes à travers une seule personne, son Fils. Et c'est dans son Fils que nous sommes réconciliés avec le Père.
Jésus ne peut pas être l'un des chemins. Un jour, j'ai une voisine, elle avait 14 dieux. Vraiment. Elle avait des idoles chez elle, elle avait toutes sortes de trucs. Et quand elle a su que j'étais pasteur, elle était toute contente. « Ah, moi aussi, je suis chrétienne! » Je dis « Ah bon? » « Ben oui, Jésus! » Et Jésus, et lui, et Bouddha, et l'autre, et tout. Il y avait tous les dieux. Et Dieu dit « Non. » un seul chemin, Jésus. Une seule porte pour le ciel, Jésus. Un seul chemin, Jésus. Et Dieu t'aime aujourd'hui parce que tu es sien, tu es à lui. Et Dieu te demande une seule chose aujourd'hui, c'est de revenir à Dieu à travers Jésus. Et j'aimerais prier pour vous en terminant. J'aimerais demander à tout le monde de baisser la tête. Seigneur mon Dieu, un jour nous nous tiendrons devant toi. Et un jour je me tiendrai devant toi, Seigneur. Et je veux dire comme il dit ce matin, je me tiens présentement devant toi, Seigneur. Et Seigneur, j'ai amené la parole que tu m'as confiée. Dieu nous désire jalousement. Tu es jaloux, Seigneur. Tu désires jalousement nous posséder. Et Seigneur, si quelque chose d'autre nous possède, tu vas tout bousculer, Seigneur, pour nous posséder. Il y a en toi ce vif et profond désir, une sainte et saine jalousie, parce que nous sommes issus de toi. Alors Seigneur Jésus, je te prie maintenant, tu touches ce jeune homme, tu touches cette jeune femme, tu touches cet homme, cette femme, qui n'est pas en paix avec toi, qui n'est pas revenu à toi. Et toi-même, tu le ramènes à toi. Tu as dit à travers le prophète, « Si tu reviens à moi, moi te faisant revenir. » Alors nous voulons prier en terminant ce matin. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui. C'est peut-être pour une seule personne. Demain, c'est la veille de Noël. Le plus beau cadeau que tu peux te faire et t'offrir, c'est de venir à Jésus aujourd'hui. C'est peut-être pour une seule personne. Mais si tu es ici aujourd'hui et tu n'es pas en paix avec Dieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tu as un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous de toute éternité. Et Jésus est mort pour toi publiquement, alors j'aimerais prier pour toi publiquement. Et alors que les chrétiens ont la tête baissée et sont en prière pour toi, j'aimerais que tu fasses un geste. C'est comme si tu mettais ta main dans la main de Dieu et tu dis, « Père, je reviens à la maison. Père, je viens à toi maintenant. » Juste lever ta main. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, 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 hallelujah. Je ne suis pas en paix avec Dieu, je suis loin de Dieu. Vous pouvez baisser la main, merci. Seigneur, je reviens à toi aujourd'hui. Amen. On va se lever ensemble. Hallelujah. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers le Seigneur Jésus? Je sais. Faites juste simplement dire, Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Il n'y a pas un plus beau Noël que de comprendre mieux pourquoi Dieu nous aime-t-il. Seigneur, tu nous aimes parce que nous sommes à toi. Hallelujah. Restons encore un petit moment dans la présence de Dieu. Pasteur Timothée nous conduit. Hallelujah.